Après assassinat vivant Sam finit faire sauter Américain dans la coupe d'Haïti, ambassadeur américain dans la coupe yens, fâché le dédoublé et même river par deux ultimatums à couper et qui pratiquement le soin. Donc absti la terre chaque jour plus. Monsieur a fait connaître Vivant Sam gagne deux choix. C'est soit y'ont d'accord à l'emprison déposer les armes ou dis moi que, mesdames, mademoiselles et messieurs à l'encours immédiat le jeune baron ou bien pour on mourir Bagay, ça a pratiquement tellement nervé les États-Unis d'Amérique. Mais tout début semaine la, de semaine, ce n'est pas des matériels qui entrés... Pour le petit, il y a quatre hélicoptères qui entrent là. Plusieurs soldats commencent à placer dans des zones stratégiques pour qu'on ait les opérations po pour tes vivre ensemble. Qui côté pour frapper pour faire au mal Juste à me poser la question. Pour qui ça c'est après les deux Américains qui ont fini mourir Toute motivation ça a été faite... Pour qui ça c'est qu'on tout le monde sait que bon bagay qui doit faire. C'est qu'on y a un s'en tient, bon bagay qui peut faire actuellement dans le pays d'Haïti. Mais entre-temps, on profite de cette information. Si vous n'avez pas de l'argent pour faire marcher, Faites marcher. Si vous n'avez pas de l'argent pour contribuer, pour mettre un petit bagay dans le pays, vous avez pris un petit temps. Parce que dans le jour où vous avez fini, vous bon capable un très noir. Je ne vais pas l'expliquer comme un détail. Je ne peux pas l'expliquer comme un détail. Une situation extrêmement difficile... Haïti comme vivre même les États-Unis d'Amérique a traversé mais mademoiselle c'est c'est tant de mire, ça m'a expliqué là la. la police nationale d'Haïti à travers unité anti gang donc unité à à, à travers unité anti gang là, qui c'est itag mais finalement mené opération jeudi 28 mai 2024 là dans fief Toro ba pour innocenter l'homme vite et surtout opération ça qui a finalement mené dans la zone peignée. et pendant opération la police nationale d'Haïti vous avez plusieurs gagnés à jouer un baron. Même genre, la police rivée saisie, yon Zorikien, un Toyota Cruiser qui écrit UVD. Donc, qui pratiquement, c'est Toyota Gang, village de Dieu, a utilisé. Ebi vouye bay vite lom. Adje, ke la vite lom get an jwen machin sa pou machin sa travese tout route sa. Mèdam madmozèlze, mèsyè pou lvin jwen vite lom. Kote la pou liste ye mè fransesè amy. Ki kote don tout negyote pase, ebi yo jistelman yonikantri ou fe tout bagay e sa. Wow. Bojou, 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 toutan komano, eske la pkebe. Eske tout bagay an fom. Nou pote detay, nou pote pil informasyon kap domine aktualite a. Prepare ou nou pati. La voix, le son, les images, vous pouvez les retrouver partout. Mais si vous recherchez les bonnes qualités, il vous suffit de taper FS News Haïti. Sur YouTube et sur Facebook, nous sommes présents 24 heures sur 24 pour vous informer. Abonnez-vous pour être au courant de tout ce qui se passe à travers le monde. FS News Haïti, c'est là où la complicité se joue pour atteindre le paroxysme du savoir-faire. Mesdames dames la société, nous avons parlé à la barrière de la quatre fois plus compliqué La vraiment paraît amère. Nous avons le choix pour apporter des informations n'importe de gens Ambassadeur américain Denis, monsieur qui pratiquement a pris à sur une émission aujourd'hui, monsieur Annerve, a nervé Liboudé à cause que des Américains perdu la vie dans une situation extrêmement difficile. oublier pas, c'est deux petits mouns qui étaient pratiquement mettés en paix. Nan, fi, nan tizon a, 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 sa alon moua. Lison, lison je kwa. Eme, finalman, mese yo tantre, yo tuyel. Se ev, mese yo nan vivansam yo, sou lot di michelize alias ba mekou mouve gren. Mal pou hont, san vergoy. Eme, mese yo namza yo ki pratikman perdu la vi yo, a kouz de si yo sa, ambasade ameriken yon tan pale. Mese yo a fe konen. Kelke swa fason an, ne gyo gen selman de chwa. Ne gyo gen bouyal nan simityer, ou dimoske bouyal nan prizon. Se deklara sou sa ambasade amerikeyan, dok msè li ala gey jodi an, padan ke li tap reagi, dok nan emisyon metropol. Msè di ke, dok nan sak ki gawen ak de misyoner amerike sa wak ki mouri an, se bagay ki fe ou mal ampil, sa ak sou sa ki pase nan zon lison, nan plen du kulde de sak la, men Denny Hankins li kwe ke, justice pral jwen moun zay yo, quel que soit côté justice là on va le prendre ça on s'abtient mais dis-nous si madame apostel je me suis so logique m'apphaver nous bandi eux même est-ce qu'il y a prison pour mettre bandi nan ki prison on va le mettre est-ce que pas nèg commence opération là il y va marché écraser prison Vi, Vite vitez leur répondre moi est-ce que c'est pas nous même là qui mettons ça on va marcher écraser tout petit poste est-ce que 400 maoso l'ambosant joue du commande donc est-ce que c'est même qui pratiquement craser commissariat quoi des bouquets prison quoi les bouquets est-ce que c'est pas nèg écraser prison si, et pénitencier est-ce nous ne pouvons pas casser toute prison Dans quelle prison on va mettre nous là Si nous sommes intelligents, pourquoi ça ne pas commencer nous pas commencer à, commence à faire adieu à nous. Mesdames et Messieurs, la police nationale d'Haïti va commencer à mettre des choses dans nos mains. On va quitter l'ambassadeur, mais est important pour partager l'information avec vous-même. Dans le moment où on à la là, vitez l'homme qui est la ici. Ce n'est pas des bandits qui ne sont pas tombés aujourd'hui. Ce n'est pas mal pour paquet de ZF. Ils sont paquet de mauvaises graines. Qui notamment retrouvés, mesdames, mademoiselles et messieurs. Donc, retrouver. Non, tu poste avant d'entrer dans la tête de Et bien, dans peine 17, la police entrée dans le fief sao. Il débarque katouche. Il mette bagaille dans la vie. Et bien, dans le moment que vous même là, mes frères et sœurs amis, la police n'a pas décidé. Bah, monsieur, ça va. En nous, tout le monde a Bien que la police saisie, il une machine pour ISO, mais en allé, en attendant l'ambassadeur américain, le cadet de Nihonkin, qui pratiquement, il faut, dire dit, monsieur, pas un problème. Nous mettre préparez-nous, l'amour a bralé les jeunes, nous braler les choses dans nous, quel que soit façon, cas, quel que soit l'heure, nous n'avons pas dans nous. D'abord, euh, permettez que je vous présente euh, mes sympathies suite à ce qui s'est passé euh, la semaine euh, dernière. Je veux faire allusion à l'assassinat des Américains euh, en, en pleine. Vous avez appris cette nouvelle très tard euh, vendredi dernier. Oui, c'est quelque chose de très triste pour la communauté américaine. Je dois noter que soit le gouvernement, soit des sociétés civiles y avaient. Plusieurs expressions de condolences du peuple haïtien. Mais vraiment, c'est les gens américains qui ont dédié leur vie pour les Haïtiens, pour aider les Haïtiens. C'est triste que c'est les membres de la gang qui ont décidé de tuer ces gens qui travaillent pour les Haïtiens. Euh, je suis sûr, nous avons reçu les garanties du gouvernement qu'il y aura de justice. Et mon gagnant allait ou bien au, au, en prison ou bien dans pays sans chapeau. Mmh. Euh, au moment de l'événement, est-ce que personne n'a appelé l'ambassade à l'aide? C'est le fait et c'est la raison pour laquelle nous avons cette annonce pour dire aux citoyens américains de quitter. Euh, oui, il n'y avait pas de moyens ni du gouvernement ni de l'ambassade d'aider au moment. Euh, nous sommes engagés maintenant avec euh, les familles pour le retour des, des restes humains de, de ces deux jeunes, cette euh, couple, jeune couple de missionnaires, euh, avec l'assistance même des, des entreprises haïtiennes et du gouvernement haïtien. Mais c'est le fait que pour le moment, il n'y a pas de moyens. Du côté du gouvernement, ni du gouvernement, du gouvernement américain, d'aider dans ce type de situation. C'est la raison pour laquelle nous voyons cette mission d'appui multidis... euh, de, de sécurité. C'est mm. essentiel pour renforcer la capacité du gouvernement haïtien de répondre à ce type de, de situation. Mm. Euh, il y a l'ambassadeur. Euh... Alors. Le sénateur républicain du Missouri, John Hawley, qui prétend que l'ambassade américaine en Haïti aurait refusé d'apporter de l'aide aux couples qui étaient en danger. Euh... C'est déjà ah. une question de, de notre capacité. Euh, C'était dans une zone contrôlée par les gangs. Alors, notre capacité, nous n'avons pas une armée ici, nous n'avons pas des forces spéciales ici. Euh, il n'y avait pas de, de cette capacité et même la capacité de police nationale dans cette région s'est limitée. Mm -hmm. Alors c'est triste, mais c'est la réalité que dans la situation actuelle, il n'y a pas assez des effectifs de police nationale, des forces de sécurité, de réagir en tous les points de, de Port-au-Prince. Même euh, la force euh, qui s'appelle FAST n'avait bon. pas la non. capacité euh, qu'il fallait hors, pour hors de l'ambassade non il y a des, des gens qui sont là pour protéger l'ambassade comme telle mais nous n'avons pas de, de capacité de faire des missions hors de l'ambassade oh, mais même, même et si on et si on reçoit et si on est demandé ou encore si le gouvernement haïtien vous demande d'intervenir si vous avez l'autorisation vous n'allez pas pouvoir euh... nous n'avons pas de capacité oh, ok et euh... Maintenant, parlons euh, autre chose. Nous allons parler euh, de cette note de l'ambassade américaine mmh. euh, relative euh, euh, au choix d'un Premier ministre. Ouais. Vous avez dit euh, dans la note, Monsieur l'Ambassadeur, que le prochain Premier ministre doit être quelqu'un ayant la capacité euh, technique, ça doit soit mmh. se faire en toute transparence. Et quand vous, vous, vous dites a toujours dans la note que vous êtes impatient. Qu'est-ce que vous voulez dire? La première fois c'est de noter. Alors, j'ai commencé en disant en saluer le gouvernement de transition, euh, le Conseil de transition présidentielle, pour le fait que même après un mois. Maintenant, ils sont en train de faire des grandes décisions. Ils sont en train de choisir un premier ministre. Après, nous avons la, la priorité de choisir le chef du comité électoral euh, provisoire. Je pense que, bon, et même le gouvernement a dit que pendant le week-end, il y aura une décision. C'est déjà fin de week-end et sans, sans décision. Mm -hmm. Et je pense il y a assez de priorités pour le gouvernement et pour le peuple haïtien. Par le fait de comment était construit ce conseil avec sept membres, ça veut dire que les décisions, y prennent du temps. Euh, nous pouvons comprendre. Parce que toutes les questions doivent être décidées par 100, au minimum cinq membres de sept. Et ça prend du temps. Mais je pense que pour avancer pour avancer dans les autres priorités, il faut avoir une Premier ministre. L'essentiel, je sais qu'ils ont commencé avec presque 200, peut-être plus que 200 euh, candidats. Et parmi 200, évidemment, il faut avoir une vingtaine qui a déjà une histoire et un résumé assez technique pour, pour montrer qu'ils ont la capacité de gérer un gouvernement. Euh, nous espérons que la décision soit faite dans le Conseil, sans l'influence des autres, particulièrement sans l'influence des euh, gens qui veulent influer les décisions. Chaque membre, ils ont une certaine responsabilité. Mm -hmm. Même si la communauté internationale euh, a dit qu'il n'y a pas de transition dans une transition, mais il paraît que les États-Unis misent beaucoup sur euh, cette transition. Oui, vous êtes déjà dans une transition 2.0, euh, dans le sens où il y a une deuxième transition. Mais nous espérons que maintenant, avec ce modèle, il y a toutes les tendances, ou la plupart des, des tendances. C'est difficile d'imaginer qu'un seul parti peut contrôler le processus. Et ça donne plus de chances d'avoir un gouvernement qui s'est neutre d'avoir des élections qui sont crédibles, parce que toutes les grandes décisions doivent être faites par débat, par décision commune. Euh, Ce n'est pas facile, mais pour moi, alors, si vous avez une présidente avec sept têtes, tous les sept têtes doivent avoir la capacité de parler, et si on coupe trois têtes, toutes les têtes vont mourir. Alors c'est nécessaire de maintenir cette unité. Qui ne s'est pas simple. Mm -hmm. Mais je pense que c'est un modèle, un modèle bien en, en solution haïtienne pour la mm -hmm. situation haïtienne, pour assurer qu'il y aura au minimum un consensus, un, un grand consensus sur euh, toutes les grandes questions euh, qui sont nécessaires pour cette transition. Est-ce que les États-Unis soutiennent un candidat au poste de Premier ministre Absolument. Euh, c'est vraiment, c'est pour. Le système de, de faire le choix. Nous avons parlé d'un profil, alors quelqu'un qui a une capacité technique, qui a la capacité de gérer une situation assez difficile, quelqu'un qui n'a pas une grande connexion avec une partie, ou une coalition ou une autre, mmh. qui peut gérer le gouvernement dans un sens neutre pour tous les défis qui sont devant ce gouvernement. Je ne vous apprends rien, Monsieur l'Ambassadeur. Il y a des Haïtiens qui pensent que vous supportez un candidat. Et vous diriez quoi à ces Haïtiens? Je pense qu'il y, y aura toujours cette tendance que les États-Unis, c'est en dehors de, de chaque décision. Mais vraiment, nous sommes ici en faveur du système, en faveur d'un processus bien haïtien. C'est vrai que nous avons aidé avec le processus de cette transition. Pendant les négociations avec CARICOM, avec le départ de, de l'ancien Premier ministre, nous étions toujours en contact. C'était toujours, toujours dans le sens d'aider les partis haïtiens de trouver les solutions entre eux. Ce n'est pas d'imposer de, de mm -hmm. en décision, en solution pour les haïtiens. Vous parlez d'Ariel Henry, l'ancien Premier oui, ministre. Oui. Mais vous savez, Monsieur l'Ambassadeur, les haïtiens ne savent pas jusque-là ce qui s'est passé exactement. L'ancien Premier ministre se rendait en République dominicaine. Il a dû rebourser chemin et finalement, ouais. il est en, en Californie. Ouais. Mais on n'a pas de détails sur ce qui s'est passé. On, on ne sait pas non plus à quel niveau vous êtes, vous, vous êtes impliqué dans… Votre pays toujours parce qu'à un moment donné, c'était clair qu'il n'y avait pas de possibilité de retourner. Il y avait cette nécessité pour les Haïtiens de trouver un autre modèle. Et nous étions là, avec les autres partenaires, avec les pays de Caraïbes, d'aider les Haïtiens à trouver une solution. Je vois qu'il y, y a toujours il y a un certain manque d'informations de côté d'Haïtiens. Euh, même dans la situation actuelle, nous espérons dans les semaines prochaines, le conseil présidentiel aura une porte-parole parce que même ces jours, ce pas clair quelles sont les décisions du conseil, quelles sont les idées de chaque membre du conseil. Et Évidemment, chaque membre, ils ont le droit de parler, de parler de leurs entrées, mais il faut avoir aussi un système pour être sûr qu'il Ici, c'est une décision de conseil qu'on conseille mm -hmm. euh, et de parler avec le, la population et c'est aussi avec les forces, les, les, les leaders de sécurité, les membres du gouvernement. Quand il y a un nouveau premier ministre, je pense que cette question de dialogue avec la population, c'est nécessaire. S'il y aura des élections d'ici euh, 20 mois, nous espérons qu'il y aura plus que 20 de participants Et mm -hmm. pour participer, les Issiens doivent avoir une certaine confiance du système, en confiance dans le gouvernement. Est-ce que les États-Unis sont seulement engagés dans la logistique euh, de la mission euh, multinationale? Il y a plusieurs autres pays qui sont déjà engagés. Bien sûr, il y a les pays qui ont déjà fait l'offre. Alors c'est... C'est Kenya, c'est Jamaïque, Belize, autres pays qui ont déjà fait une décision de participer. Ce que nous avons fait est de prendre charge de création de bases logistiques. Et ça s'est fini maintenant à, à l'aéroport. Euh, nous y étions aussi très actifs avec la réouverture de et, et Pourquoi on remet à trois semaines le déploiement de la force si la base est déjà prête? Bon, il y avait cette délégation du gouvernement de gouvernement du Kenya qui était ici, même pendant la visite de, de leur président à Washington. Alors, pour les Kenyans, c'était de voir est-ce que vraiment il y a des logistiques en place. Il reste toujours, alors, avant le déploiement de 2500, nous sommes en train de parler avec d'autres pays, de trouver des équipements qui sont nécessaires. Euh, nous espérons et c'est prévu que maintenant il y aura le déploiement des premiers Kenyans euh, avec les ressources qui sont présentes maintenant. Et je pense maintenant c'est plus une question d'organiser l'aviation et, et tout ça. Mais pour le long terme, il faut avoir plus équipements Nous sommes en train d'identifier dans les ressources américaines, mais parler avec plusieurs autres pays, de donner les fonds aux, aux fonds communs de l'ONU ou de donner des équipements, puisque euh, tous les pays qui veulent participer peuvent avoir des équipements nécessaires. Mm. Au même temps, il y a une deuxième priorité, c'est toujours de renforcer la capacité de police nationale. Vous avez vu, on a déjà donné dans, pendant les dernières semaines des blindés pour la police nationale. Euh, il y a autre équipement parce que le président Biden a autorisé... Les ressources du gouvernement américain qui sont en surplus pour aider soit la police, même en certaines conditions, l'armée nationale, aussi avec euh, le MSS. Mmh. Donc maintenant, les États-Unis euh, reconnaissent l'existence de l'armée d'Haïti. Bon, c'était toujours reconnu, c'est toujours, mais il y a des limites dans notre législation. Alors, selon notre congrès, nous sommes empêchés de donner assistance euh, des armes à police nationale. C'est en débat parce que nous voyons, par exemple, maintenant, c'est le garde national de l'armée nationale qui s'est en charge de sécurité de l'aéroport. Ils ont renforcé la sécurité des portes. Nous savons qu'ils sont là, bien sûr. Mais pour le moment, nous sommes très limités en, avec notre capacité. Il y a des autres pays, je sais que le Mexique, par exemple, a une forte collaboration avec l'Armée nationale, qui, nous n'avons pas de problème avec le fait qu'il y a des autres pays qui font une assistance directe à l'Armée nationale. La réunion qui a eu lieu euh, la semaine dernière entre le président Biden et le président Ruto, témoigne en quelque sorte, si besoin était, de l'engagement de votre pays pour Haïti. Mais les gens continuent à se poser certaines questions, à savoir, Haïti est le voisin immédiat des États-Unis. On est seulement à environ deux heures de, de, de la Floride. Pourquoi les États-Unis euh, confient cette mission à un autre pays? Pourquoi est-ce que les États-Unis n'accepte pas d'envoyer des, des, des soldats, comme c'était le cas dans le passé. Oui. Et même mon président a parlé sur le sujet. Alors, avec notre histoire, avec Haïti, avec le moment qu'il y avait, deux fois qu'il y avait des grandes forces américaines, ça a toujours créé des conflits et des problèmes avec le, la communauté haïtienne. La présence des troupes américaines comme telles, ça peut créer des, des difficultés en termes de notre, notre relation. On voit particulièrement aux États-Unis, il y a des protestes même avec cette mission internationale, il parle de, de l'invasion de, de votre pays. Alors pour le président, euh, envoyer les troupes américaines, c'était de crier, pas de crier calme, mais de crier de, de plus de crise. Alors il a fait la décision d'utiliser ou de travailler avec notre, nos alliés dans les autres pays. Euh, dans le cas de Kenya, Kenya a une grande expérience et nous avons travaillé avec eux depuis longtemps, particulièrement en Somalie. Ils sont très expérimentés en situation de, de crise. Euh, ils ont comporté et nous avons fait une forte formation de leur euh, police pour être prêts pour cette mission. Et il y a des autres, il y a des pays de, de Caraïbes, il y a des autres pays d'Amérique latine latines qui sont prêts de participer dans cette opération. Alors c'est avec notre assistance euh, financière, avec les équipements, nous espérons avec l'assistance des autres grandes bailleurs de fonds que nous pouvons euh, aider cette mission. Mais dans ce cas, alors c'est important de savoir que bon, le MSS c'est pas les États-Unis. Au moment que Kenya arrive, ils auront leur propre euh, porte-parole de parler et ils ont déjà commencé les contacts avec le gouvernement haïtien parce que le motif principal est d'aider les Haïtiens de créer des systèmes de sécurité. Mm -hmm. Vous avez déjà l'histoire avec les opérations de l'ONU avec 20 000 soldats. Alors ça, c'était pour remplacer les systèmes de sécurité. Cette mm -hmm. mission, c'est de, de, de donner assistance de création des systèmes plus forts haïtiens. Mm. Autant, que des autant que des Haïtiens euh, souhaitent euh, que, les, que les Américains aident le pays à se débarrasser des, des bandits, autant qu'il qu y a aussi des Haïtiens qui se demandent pourquoi est-ce que les États-Unis font autant d'investissements en Ukraine qui est si loin. Et ne décide pas de donner euh, autant à Haïti. Bon, dans, le cas, bon, dans le cas d'Ukraine, de, de c'était une invasion sans raison par les Russes contre l'Ukraine. Ça a posé un risque de nos responsabilités comme membres de l'OTAN. Alors, ça, c'était vraiment en crise contre le, le système international. Le système des règles, le système de droits international. Et ça pose un, un risque directement aux entrées stratégiques des États-Unis. Pour Haïti, c'est en bon, continuation d'une crise. Il y avait une crise, je suis arrivé il y a 30 ans, quand mon premier poste c'était trois mois avant le premier coup d'État contre Aristide. Il y avait cette longue histoire d'instabilité dans votre pays. C'est vrai que bon, Haïti, c'est proche de, des États-Unis en termes de, de pays de, de Caraïbes et d'Amérique du Sud. C'est le plus pauvre. Alors nous avons assez d'entrées, de voies. En, en, en Haïti stable, solide, prospère, parce que ça donne la possibilité de travailler avec un pays, d'éviter les risques d'instabilité dans toute la région. Et hors d'assistance, de, alors depuis longtemps nous avons aidé la police nationale, mais aussi le système de justice et nous savons que aussi en termes de l'assistance humanitaire, c'est principalement les États-Unis. la plupart des fonds de l'ONU c'est des États-Unis. Alors nous sommes actifs dans presque tous les domaines en termes de l'assistance à Haïti, Mm -hmm. Mais de, sur cette question de sécurité, c'est une combinaison de pays qui sont prêts à aider Haïti mm. à trouver un peu de, de paix. Après la crise, M. l'ambassadeur, après la crise sécuritaire, mm. est-ce ouais. que votre pays entend euh, accompagner Haïti à travers un plan, par exemple? Je pense que là, c'est plus c est, c est une priorité pour le gouvernement. Mais nous sommes très conscients et je suis en contact avec les le système de l'ONU et avec les autres pays. Nous voyons tous, nous espérons avec le déploiement de MSS, il y aura plus de capacités de police nationale d'assurer la sécurité dans toutes les régions de, de Port-au-Prince et le reste du pays. Mais il faut qu'après qu'il y a sécurité, qu'il y a en présence des services de gouvernement, soit d'éducation, de, de santé, de, de logistique. Alors, je pense que pour les États-Unis et pour les autres, il y aura une campagne de travailler avec les organes de gouvernement pour être présente dans tous ces banlieues qui sont maintenant sous contrôle des gangs. Euh, parce que pour la population, il faut avoir un bénéfice de cette sécurité et mm -hmm. ce bénéfice, c'est de voir les services de gouvernement. Mm -hmm. Alors, il y aura des, des programmes. Mm -hmm. Il y a déjà dans notre congrès, il y a des propositions si dans notre situation budgétaire, mm -hmm. si ça peut être euh, une réalité. Mais au minimum, avec nos ressources, qui sont assez grandes, c'est de travailler avec le gouvernement puisque la population peut voir le retour des services de base. Donc là, vous parlez d'opportunités euh, économiques pour euh, les Haïtiens. Oui. Euh, Bon, le plus est d'avoir un peu de stabilité, que les enfants peuvent aller à l'école, qu'ils peuvent avoir des services de santé, mais en même temps, c'est important de penser d'avoir certaines opportunités pour la jeunesse. Mmh. Je vois maintenant dans certaines régions, si vous êtes un jeune de 16 ans, un, un jeune Haïtien, dans plusieurs cas, être membre de gang, c'est une option. C'est une option qu'il faut avoir des autres options. Il faut avoir l'option d'emploi, d'éducation, d'une vie hors de, de criminalité. Et je pense que c'est nécessaire parce que sinon, les membres de gang vont être criminels indépendants. Et, il faut trouver des, des options pour la jeunesse de ne pas entrer dans les gangs. Euh, la semaine dernière, il y a des des congressistes américains qui ont introduit euh, un plan portant sur plusieurs euh, euh, milliards, de, de, milliards de, de, de dollars en faveur d'Haïti. Est-ce que vous pensez qu'il euh, qu y ait de la chance pour que la démarche de ces parlementaires aboutisse dans les situations de notre congrès avant nos élections, je ne sais pas s'il y a des conditions pour avoir des grands projets, mais c'est important. Et cette Alors c'est le seul membre du congrès qui est en origine haïtien. Il y a plusieurs haïtiens qui prennent les positions élues dans les gouvernements des États ou des, des communautés. Alors c'est une présence assez important. Et même en termes d'assistance pour Haïti, avant mon arrivée, parce que tous les ambassadeurs doivent passer par le Sénat, et j'ai reçu les messages d'appui, pas seulement des démocrates, mais aussi des républicains. Alors, il y a assez d'Américains de deux côtés qui sont préoccupés avec la situation en Haïti. Euh, le fait qu'il y ait cette mission, c'est en cause d'assistance de, mm -hmm. des membres du côté, de deux côtés. Mm -hmm. Est-il vrai, Monsieur l'Ambassadeur, que le non-déploiement de soldats américains en Haïti a rapport euh, aux élections qui vont se dérouler dans votre pays pas directement. Alors, quand notre président a dit qu'il était plus préoccupé avec la réaction des Haïtiens de voir des troupes américaines sur le terrain américain, mais c'est vrai qu'il y a des, des débats. Et je sais qu'il y a certains Américains qui veulent vraiment avoir une présence des troupes américaines. Et il y a des autres qui voient qu'ils nous sont engagés dans plusieurs autres pays et ne veut pas être engagés dans un autre pays étranger. Alors, je doute que ça sera un point sur les débats présidentiels, mais le contexte et le contexte de notre préoccupation avec euh, euh, la migration euh, non officielle. C'est toujours l'un des préoccupations, particulièrement pour l'État de Floride. Mais il y avait ces programmes de président Biden qui a aidé plusieurs d'aller aux États-Unis dans les, les conditions qui sont légales, qui sont euh, humaines. À, à quand la reprise des services euh, consulaires fermés? Pour le moment, pour, parce que nous sommes dans les mêmes conditions qu'en plusieurs entreprises. Euh, généralement, il faut avoir 120 Américains dans mon ambassade. Hors de, de personnel de sécurité, maintenant nous, je suis à 35. Alors ça veut dire que maintenant nous n'avons pas la capacité, hors d'assistance pour les Américains, de donner les services consulaires. Notre plan avec l'opportunité, nous voyons l'opportunité avec l'arrivée de MSS et avec cette gouvernement de transition, et de concentrer la première priorité sera d'attaquer le délai en termes de visa des immigrants. Parce qu'il y a les Haïtiens qui ont certains droits d'aller aux États-Unis, de se rejoindre avec leur famille, citoyens américains aux États-Unis. Pour les visas non-immigrants, ça prendra du temps parce que c'est toujours parmi les priorités consulaires. La première, c'est américain. Deuxième, c'est immigrant. Et seulement, c'est le troisième, c'est les visas non-immigrants. Et pour le moment, je dois noter dans les conditions actuelles, je ne peux pas imaginer d'amender d'avoir 500 000 Haïtiens devant l'ambassade s'il n'y a pas des conditions de sécurité. Et mmh. c'est là que le gouvernement haïtien, avec l'assistante MSS, doit assurer les normes de sécurité. Je sais que vous devez partir euh, tout de suite, M. l'ambassadeur. Ouais. Euh, Est-ce que les États-Unis mettent encore à prix la tête d'un chef de gang qui se trouve pas trop loin euh, de l'ambassade? Bon, il y a deux leaders de gangs qui sont dans la liste de FBI. Alors, il y a déjà des. Et comment vous nous expliquez qu est, euh, que ce chef de gang a reçu des, des journalistes américains oui. euh, alors que l'ambassade n'est pas trop loin de, de sa résidence? Comment vous nous expliquez ça? Bon, nous sommes en faveur d'une presse libre. Alors, vous aussi avez le droit de parler avec les leaders des gangs. Nous espérons que la presse américaine soit bien informée. Euh, il y avait, ces, on a vu avec CNN, avec NPR, il fait ses ces interviews. C'est important aussi que les autres côtés, de, soit de gouvernement, de société civile, même le presse haïtien a l'option de parler de réalité, parce que nous savons que les leaders de gang ils veulent montrer quand ils sont Robin Hood, ils sont en faveur de population. Mm -hmm. Jusque maintenant, j'ai jamais trouvé un seul haïtien qui a ces sentiments concernant les gangs. Ils il voient que c'est les gangs qui attaquent, qui tuent, qui violent. Alors vraiment, ces gangs sont pas en faveur de, de population. Le presse américain ils ont le droit de parler avec n'importe qui, mais j'espère qu'il y aura des... Les les vraies opinions des Haïtiens euh, avec notre presse aussi. Mmh. Merci, M. l'Ambassadeur. Merci d'avoir accepté de répondre à nos questions. Non, merci. Mmh. Merci pour l'invitation. Même s'il y en a encore d'autres, euh, une vingtaine encore à vous poser, ce sera pour euh, la prochaine fois? Oui, oui, monsieur prochaine le... fois, oui. <laughs> merci. Merci. La voix, le son, les images, vous pouvez les retrouver partout. Mais si vous recherchez les bonnes qualités, il vous suffit de taper FS News Haïti. Sur Youtube et sur Facebook, nous sommes présents 24 heures sur 24 pour vous informer. Abonnez-vous pour être au courant de tout ce qui se passe à travers le monde. FS News Haïti, c'est là où la complicité se joue pour atteindre le paroxysme du savoir-faire.